les crosses, c'est Toshikro et bienvenue aujourd'hui sur Flame of Mirrors. Un petit indie horror game que je viens de trouver sur le net, il a l'air assez sympa. Je m'avance un peu vite peut-être en disant ça, car les trois dernières vidéos, les horror games qu'on a fait ces deux dernières semaines étaient plus que moyens. On verra si celui-là arrive à rehausser le niveau. C'est parti! Je ne connais pas du tout Flame of Mirrors, je ne connais pas l'histoire, les crosses, donc totale découverte, on verra bien. Ok! Ok, c'est parti. On dirait que nous sommes dans un... Ah. Alors déjà que je ne comprends pas l'anglais de base, essayer de comprendre l'anglais plus une voix de ce genre plus une qualité médiocre de ce genre, c'est quasiment impossible. D'ailleurs, je n'ai absolument rien compris. Mais il y aura certainement une traduction française, comme d'habitude, vous le savez, je pense toujours à vous, les crosses. Regardez, il y a des clowns là-bas, putain, on est dans un... Il y aura peut-être des clowns, du coup, merde. On a des petites sucreries ici, putain, ça donne faim, là, il est quoi? Il est 11h du matin, j'ai trop la dalle, les crosses. J'ai trop la dalle. Regardez, il y a carrément des jeux gonflables, ici. Il y a carrément des... Bon, est-ce qu'on va dans la bouche du clown, les crosses? Allez, on y va. Putain, je le sens moyen là du coup. Ah, d'un coup, je le sens moyen. What? Hey! Oh! On nous voit dans le miroir. Regardez. C'est donc à ça qu'on ressemble. Hey! J'ai une sale tête aujourd'hui. J'aurais bien fait de jamais venir. Ah, mais on dirait qu'on est en fait un garde. Une espèce de garde du spectacle. Je sais pas si ça doit être une espèce de spectacle ici. Bon, là, il fait nuit en l'occurrence, donc il n'y a personne. Et nous sommes le gardien, en fait. Le gardien de nuit. J'imagine que c'est ça. Regardez sa position. Oh là. Oh là 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 là, on va dans le noir là. Oh 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 oh. What the fuck? Ok, il fait tout vert maintenant. J'ai l'impression que dans l'horror game, à chaque fois que ça commence à faire flipper, ils décident toujours de mettre une lumière verte dans les couloirs. Référence à le jeu qui ressemblait à Silent Hill, là. Pity. Putain, il y a de la fumée maintenant. Il y a de l'eau. Je marche dans de l'eau, il y a de la fumée. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc j'imagine que c'est à droite. On n'y voit pas grand-chose. Il fait tout noir d'un coup. Ah! Putain, putain! Qu'est-ce que c'est que ce truc, bordel? N'importe quoi. J'ai pas eu peur. Ça, c'est des conneries, les crosses. C'est des putains de conneries. On va se remettre bien, tranquillement. Hein. Détente. Bon, alors, du coup, je n'avais aucune idée de ce que c'était. On va retourner en arrière, parce que je vois que le chemin est bloqué. J'imagine que je dois retourner... Ah, il y a un message ici. You can... On peut fermer nos yeux. You can close your eyes. D'accord, donc avec clic gauche, nous pouvons fermer les yeux à la statue. Si vous vous souvenez du horror game statue. Oh putain. Je sais pas si je dois fermer les yeux là. Oh putain de merde. Est-ce qu'on continue les yeux fermés? Non, ça serait pas rigolo. Ça serait pas marrant, les crosses. Il y aurait pas de spectacle. Il faut que je continue les yeux ouverts. Je crois que c'est encore plus flippant si on ferait tout le jeu en maintenant clic gauche comme ça avec les yeux fermés. Ça sera encore plus flippant. Bon, toujours rien. Ça, c'était le genre de peur fatiguée, tu vois. Ok, donc le miroir vient de se péter. Vous savez quoi, j'ai augmenté le son dans mes oreilles. Peut-être que le prochain streamer va me faire plus réagir. Ok, on n'y voit pas grand-chose. Ah, il y a une porte là-bas. Non, c'est plus un espèce de portail, what the fuck? Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est un miroir, d'accord. C'est un miroir. Bien. Eh, c'est sympa le rôle. Derrière nous. Ça va se pointer derrière nous. Oh putain de merde. Ok. Me dis pas que c'est fini. Non! Ouf! C'est pas fini, j'ai eu peur. Franchement, ça aurait été la honte, là. Ça aurait été la honte pour les développeurs de finir un jeu maintenant.
Donc écoutez, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un accident dans cet endroit et que les personnes, les familles ont fini brûlées et ils hantent ces couloirs en fait, tout simplement. Putain, c'est sympa qu'on ait le reflet comme ça de nous. Ça, c'est bien foutu. Alors, mirrors will show what's hidden. Oh putain, ça me montre. Oh la vache, ok. Les miroirs me montrent ce qui se cache. Donc il y a quelque chose qui se cache dans les couloirs. Et les miroirs nous les montrent. Putain, j'ai vraiment pas envie de regarder dedans du coup. Oh mon dieu. Ok, y a rien. Mirrors kills. Les miroirs tuent. Oh, j'entends des bruits chelous, les crozes. Y'a quoi là? Putain, j'ai vu une boule de feu au loin! Qu'est-ce que c'est? Bon, j'avoue que je commence un peu à flipper. On tient peut-être un bon horror game là, les crozes. On tient peut-être un bon horror game. J'ai les jetons, bordel. Donc, ils nous ont dit de ne pas regarder dans les miroirs, mais je suis attiré par ces miroirs, bordel! Les crozes! Mayday, mayday! J'ai plus le contrôle de la situation. Ok, encore un miroir ici. Oh la gueule du mec quoi. Il est pas bien, on dirait qu'il est constipé un peu. Il est un peu constipé, il a mangé mexicain, il a mangé indien, je sais pas, mais il a pas l'air bien. Pourquoi quand on se ferme les yeux, il y a un bruit chelou? Oh putain! What the fuck? Putain, j'y comprends plus rien avec Rose. J'étais devant un miroir il y a 2 secondes, je ferme les yeux devant le miroir et je me retrouve au milieu d'un couloir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mes oreilles! C'est pas permis ça, d'accord. D'accord. Oh là là, ça a l'air très bizarre comme jeu, je vous l'avoue. Je comprends pas tout, les Rose. Hein. Je ne comprends vraiment pas tout. Je pense qu'il faut fermer les yeux devant les miroirs. Ou alors pas du tout, c'est peut-être totalement l'inverse qu'il faut faire. Ok, le miroir. Le miroir ne miroire plus. Le miroir ne miroire plus, je me siou plus, les crozes. Je ne me siou plus. Et ça, c'est très mauvais. Oh putain que c'est mauvais ça. Je siou rien du tout dans ce jeu en fait. J'essaie d'y voir quelque chose. Mais je ne siou rien. Bon, on va continuer à fermer. Ah, enculé de merde! Ah, putain! Oh. Et lui, par contre, il n'a pas du tout eu peur. Regardez cette tête. Il y a toujours cette tête de constipé, là. Ah bah alors là franchement, honnêtement, ça m'a fait flipper. Wow. Wow. J'ai peut-être mis le son un peu trop fort dans mon casque. Bon alors du coup, est-ce que si on le refait, ça le refait? Non, ça le refait plus. Ok, très bien. Bien. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait, Croze? J'ai été téléporté encore une fois. Ok, je viens encore de me faire téléporter. Oh 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 là 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 là. Non, nope. J'ai envie de finir ce jeu. Je vous le dis, j'ai vraiment envie de finir ce jeu à la seconde là. Mais vraiment, ça devient trop long, ça devient trop horrible. Je pense qu'en fait, il y a des miroirs, c'est des pièges. Faut pas fermer les yeux. Il y a des miroirs, il faut le faire pour continuer dans le jeu. Genre là, tu vois, ça sent le piège. Ah non, c'est bon. Il faut faire ça devant chaque miroir, les crosses. C'est ça en fait le but du jeu. Le truc, c'est qu'il faut choisir les bons miroirs. Putain, c'est leur... Putain. Il est original, ce jeu. Franchement, leur idée est pas comme du tout. De fermer les yeux comme ça devant un miroir. Et quand tu lâches le clic gauche, tu sais pas ce qui va se passer. C'est horrible. Bon, il se passe rien dans celui-là. Ah, c'est horrible. J'aime pas ça. Je vous jure, j'aime pas ça. Ouais, y a rien dans celui-là. Putain, on s'est fait baiser, Croze. Ah, il y a un miroir ici. Il y a un miroir qu'on n'a pas fait. Ok, ça doit être celui-là. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oh! C'est bon, c'était juste un cassage. Rien de grave. Juste un cassage. Ah. Nous avons un miroir sauvage devant nous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? 3, 2, 1. Magie.
Oh là 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 là, il vient de s'éteindre. Le miroir vient de s'éteindre. On continue, il y a un miroir au fond là-bas. Oh putain, il y a un bras. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Dégage. Ah, mais il est là ce con. Ok. Il y a un mec juste devant moi. Qu'est-ce que je suis censé faire? Fermer les yeux. Oh, il vient de disparaître. Mirror skills. Allez, on tente les crozes. Putain, on tente. Ah. Oh. Oh. What the hell. Oh. Putain, c'est dégueulasse. You were burned alive. Je suis mort brûlé, c'est ça? Ok, je crois que je suis mort brûlé. Bon bah écoutez, Cross, c'est peut-être la fin du jeu, j'en sais rien. Vu que je ne connais pas le jeu, je ne peux pas dire si c'est la fin ou pas. En tout cas, c'était très sympa comme petit jeu d'horreur. J'ai vraiment bien aimé. C'était plutôt cool, j'ai bien flippé. J'espère que ça vous aura plu, les Cross. Le lien du jeu est dans la description de la vidéo si vous voulez le télécharger. Profitez-en, il est assez sympa. Un peu court, mais sympa. En même temps, c'est une démo version, donc c'est une démo, donc, ouais. Sur ce, Cross, n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, comme d'habitude, et je vous retrouve très bientôt pour de prochains Horror Games. Portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao !